Les annotations car le numéro 2 les attend déjà. Well. Donc le numéro 2. Eclipse Maker, une poulie chenée le 1er mars, présentée par Monsieur Jacques Cyprès, fille donc du très regretté Saddle Maker, un étalon au destin extraordinaire, qui s'est malheureusement brisé net en ce sinistre 8 mai 2016 dans le marcheur du rat de Cercy, alors qu'il était en train de, il est en train de prendre une envergure absolument extraordinaire. D'ailleurs, Harold Kerr, qui est ici présent, a acheté peu de temps après un fils de Saddle Maker, né dans l'Ouest, pour 355 000 euros, âgé de 3 ans. Eclipse Maker, donc, c'est une fille de ce fameux Saddle Maker, et Silverly par Schoenmaier, qui a gagné deux courses. Silverly, en obstacle à Moulins, d'ailleurs, pas loin d'ici, à Corlay, elle a aussi pris quelques places intéressantes. On pense notamment à cette deuxième place sur l'hippodrome très sélectif de Cran, et puis bah, c'est la souche de Néapron, de Baxter, joli mot, box office. C'est aussi la cousine de Vinga. Vinga, cette fille de Voix du Nord qui a remporté cette année l'Anjou-Loire Challenge, donc drôle de croisement des destins. Elle remportait l'Anjou-Loire Challenge à la minute même où Saddle Maker rendait son dernier souffle.